Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! C'est bon, y'a personne. Oh la vache, pour les amoureux! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là! Vite, 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 on finit la maison! Qu'est-ce que tu fais? C'est chez nous! C'est chez nous! C'est quoi ça? Mais ils sont plusieurs, ils sont beaucoup! Cours! Éteins ta lampe. Attends, ils font que passer, cache-toi bien. Des mecs juste devant moi, terminé. Ferme ta gueule, putain. Putain, je t'ai dit qu'ils faisaient que passer, ils vont à leur village. Y'en a d'autres, ils sont coincés dans l'hôtel à mariage. Merde. Ils sont en train de se marier. Ah ouais, c'est vrai. C'est un piège, indigène. Ils ne connaissent pas le mariage. Attends, je vais faire un molotov et je vais leur lancer. Oh. Enculé. Ils brûlent là ou pas? Bah, ils sont juste calmés. Genre, oh, du feu. Ah, c'est une meuf. Elle a des nichons. C'est une meuf, garde-la. Ouais, t'as raison. Garde ses nichons. On pourra découper les deux et les mettre en haut. C'est une pute. C'est bon. Ah, fais-moi la valide quand on est morte. Eh, tu veux te marier? Tiens, ça me plaît. Tiens, marie-toi avec moi. Il y en a plein, ils mangent leur frère. Ils mangent leur frère. Il y en a plein. Je suis en train de me faire taper. Aïe, je suis mort. On est cool d'avoir fait un totem, ils viennent les manger. Ah bon, c'est ça qui les attire? Bah sûrement, range ton toki. Pardon. Ah mais c'est qu'ils sont en train de bouffer les autres là. Oui, ils sont en train de manger, c'est pour ça qu'il faut pas laisser les corps en fait. Enfin genre à mon avis, il faut s'en débarrasser, mais je sais pas comment. En fait, il faut s'en débarrasser hors du truc, hors de la ville. La ville, le mec qui est déjà trop loin dans son délire. Attention. Eh dégage toi. Eh, ils ont peur maintenant. Ah non, oh non, ils ont pas peur du tout. Meurs salopard de merde. Putain, il m'a tué. J'ai pas une main dans le... dans... Si, t'as une main dans les mains. Non, reviens. Non, la tête. Et cette fois-ci, on fait juste des trucs utiles. Voilà. Genre, pas un hôtel à mariage. C'est utile, c'est juste que t'as pas de cœur. Ah, ça marche. Ouais. Parce que je vois que tu t'es pas gêné pour commencer à tout fouiller. Ah, y'a pas de souci. C'est bon, t'es rien, nickel, ça marche, j'ai fait un château. Je prends de la viande. La viande. C'est parce que j'ai envie de viande. C'est pas de la viande, mais vachement tôt. Regarde derrière toi, regarde dans l'avion. Oh putain, merde. J'ai voulu vous squatter comme ça, mais en fait, on a vu votre partie, en fait, et vu qu'on vous aime beaucoup, en fait, et qu'on suit votre actualité sur YouTube, on a décidé de venir vous faire un petit coucou et de vous dire que votre travail est juste complètement génial et de vous souhaiter de continuer comme ça. Découpe-lui la tête. On fera un poteau. Tu seras accroché sur le totem des fans. Tu te feras manger par les indigènes. Je vais t'apprendre à stalker, moi. Allez, on s'en va, on recommence. Allez, hop. En plus, ce mec est super poli. Il avait des petites lunettes. Bonjour, messieurs. Tu entends qu'il bourrine ta touche là pour spammer la recherche. Tu l'entends? Ouais, ça fait tac 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 tac. J'adore les ressources. Ah, c'est bon, y'a personne qui rejoint. Alors, c'est facile, hein? Wouah, le nombre de médicaments que j'ai. C'est vrai? J'en ai 6. Ah, bâtard, j'en ai que 4. Bah, je pourrais te soigner si tu crèves. Enfin, si je choisis de le faire. Ça dépend toujours, quoi. C'est une tente, c'est une putain de tente! C'est des putains de tentes! C'est un camp! C'est humain! C'est des humains! Ça, c'est humain, ça! Ah, mais ils ont brûlé, mec! Ils ont brûlé! Comment ça, ils ont brûlé? Ils ont été brûlés, il y a des morceaux carbonisés d'humains! Ah! Alors, à mon avis, c'était sûrement des gens de l'avion, et ils ont été cramés dans le crash, et leurs tentes se sont juste dépliées à l'impact! Comme les tentes Décathlon, là! Oui, voilà, c'est des tentes Décathlon! Et qui se déplient toutes seules! Et bah, elles sont toutes sorties de l'avion, et paf! Elles sont toutes mises parfaitement! Ah, il est énervé! Elle est énervée! Probablement une passagère de l'avion. Ah, Terra, j'ai trouvé un bel arbre. J'ai besoin de ta position, terminé. 72.8, la radio, okay, des ados. Elle est énorme, ton arbre. Ah bon?
Bah t'as vu la taille qu'il fait en longueur? Pourtant il était bien fin. Oui, il est fin, mais t'as vu la hauteur? C'est un baobab nain. Bien foutu ce jeu. Ta gueule. Putain. Vache. Mais la vache, enfoiré. Je m'en prends plein la gueule. Putain. Quand il va faire nuit, ça va être la merde. On a intérêt à se dépêcher. Tu crois qu'on peut la terminer avant la nuit? Oh, Terra. Moi, je m'avancerai pas trop. Moi, je parierais pas dessus vu le temps qu'on met. Ah, énorme cet arbre. Énorme. C'est énorme. C'est du délire. C'est fun, c'est Wonky, on les adore. Ouais, rasons tout ce qui est autour de la maison, hein. Ça. Ouais, ça fera un terrain plus. On pourra faire un jardin. Oui. Un potager, hein. Comme ça, ils viendront manger nos légumes. les bonnes tomates. Timber. On dirait qu'il tape une cloche, putain, un connard. Voilà. Oh putain, le truc il faisait deux. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Il faisait pas du tout la taille du truc. Ça s'est empilé. Non mais surtout, le truc est fin comme mon doigt et il sort en bûche énorme. Parce que c'est bien foutu en plus. Puis t'as envie que ça ait de la gueule. T'as envie de faire un beau jardin. Accéder à une belle propriété. Dans la gueule, dans ta gueule. Allez hop, allumez. Eh ben dis donc, ça prend forme, hein. Eh, t'as vu? Mine de rien, ça avance, hein. Eh, ça avance, hein, dis donc. Laisse moi voir ce que je peux construire d'autre. Non, finis la maison, connard. Oui, je sais. Mais tu sais, des petits trucs qui mangent pas de pain. Tu me fais penser à ces gens, tu sais, on est en train de construire quelque chose, puis le mec, il met une petite chaise dans la maison qui est pas encore fini de construire, puis il lit son manuel. Ah, qu'est-ce qu'on va faire après? Ah, alors. Ah, bah ça prend forme, bon, bah moi je vais m'asseoir. Moi je vais m'asseoir, et puis vous avez qu'à finir. Je vois plus rien. Moi non plus, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Avec tes putains de constructions de connards. Putain. Oh là. Oh là. T'as entendu un truc? Oui, c'est de mon côté. Passe en mes bûches. ils arrivent, ils sont deux. Quoi, ils arrivent? Ils sont là, ils arrivent. Okay. Les chiens. Est-ce que ça fait comme des chiens, si je leur jette un caillou au loin, ils vont le chercher? Peut-être. Attends, à deux. Tu m'as fait peur. Putain de merde. Eh putain, plus beaucoup là. Ouais, 18, ouais, putain. Un peu plus d'une dizaine. Un peu plus d'une quarantaine, les gars, on y est presque. Ils nous auront jamais. Non mais s'il y a pas une bande qui se ramène comme le toit. Ah ouais, mais regarde ce qui est en train d'arriver là. Tu vois la lampe torche dans la forêt qui est derrière toi? Ok, on est dans la merde. Ah, putain. Soigne-toi. Ah, oui. Prends des médocs. C'est bon. Prends tes médocs. Putain, le bâtard, il fuit. Toutes ses responsabilités. Ça ne t'avancera à rien de fuir. Vas-y, à tous les mecs qui sont là, si vous avez des couilles, venez nous rejoindre. Si ça se trouve, quand on sera dans une maison, ils vont juste défoncer la maison. C'est bon, on est à l'abri. C'est bon, voilà. Oh putain. On va la faire brûler. Reviens. Attends, viens à l'abri. Eh, salut. Vous pouvez pas venir, c'est chez moi. Eh, c'est chez moi, ici. C'est con, un petit lapin. Oh putain, des petits lapins. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils copulent. Une carte graphique. Oui, je viens de trouver une carte graphique, on va pouvoir faire un PC et jouer dans le jeu. Des cartes graphiques. J'en aurais deux, je pourrais les mettre en SLI. Vas-y, va chercher deux grosses bûches là et les fouler dans la maison pour construire une... Eh, à quel moment on a décidé que j'étais ton esclave, que t'étais le chef de chantier et que moi j'étais un ouvrier? Ah, des cordes, il faut... Des cordes, ah, on a des cordes de jeu. T'as des cordes? Non. C'est vraiment un gros con. Ouais, ça a trop bien marché. Timber. Ah, regarde. Oh, j'ai pris le... Oh, j'ai marché dans le bâton. Paf. Un lapin. Il court pas vite. Il a aucun instinct de survie. Il aime pas la vie. Paf. Eh, hey, t'as vu, j'ai fait pousser un arbre dans mon potager. Oh, il est beau. Tu viens de détruire mon arbre là ou pas? Ouais. C'est pas seulement que je l'ai détruit, Terra. Je l'ai explosé, il est plus là, il est désintégré. Koh-Lanta. Oh. Ce soir, c'est l'équipe des rouges qui doit défier l'équipe des bleus. Eh, enfin. Hey, Denis, moi j'ai pas compris. Est-ce que c'est moi qui ai immunité ou est-ce que c'est lui? Oh. Oh le con. Non, je te dis, les animaux sont suicidaires dans ce jeu. Le lapin, il était juste là. Oh non, ne me tuez pas. Oh non. Oh. Et là, l'oiseau, il a juste foncé dans les flammes. Oh, bah, aïe, oh. Et moi aussi. Ah, c'est une malédiction. Tout le monde sur cette île veut mourir. Ah.